Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Project Zomboid. C'est une nouvelle session de tournage et nous sommes toujours en multi avec Slan, Damned et Katox. Salut tout le monde. Salut. Et du coup, on venait de revenir d'une tentative de trouver le livre de cuisine expert, je crois. Et on n'avait pas trouvé. Ils ont raison hein, sur YouTube, il est super méchant Katox avec moi. C'est pas que je suis méchant avec une personne, c'est que je suis désagréable avec tout le monde. Voilà, oui, c'est ça. C'est juste qu'il se trouve que Slan est, en l'occurrence, plus désagréable avec les autres aussi, donc c'est lui qui prend. Moi ? Voilà, tout de suite ça va être le bazar. Non, mais on est un peu roleplay, vous croyez vraiment que 4 personnes qui survivent dans le même bâtiment, ils vont toujours bien s'entendre et être agréables les uns avec les autres ? Faut pas rêver, hein. C'est normal aussi quand. Quand on voit ce qu'arrive à nos voisins, qu'on les aide à partir un peu plus vite, et ces choses-là, ça peut se comprendre. Tout à nos amis qui sont écrasés par des gens qui savent pas conduire. Par exemple. Moi ? Mais ce n'est qu'un exemple, hein. Ce n'est qu'un exemple. Moi, il fait complètement nuit et il y a des zombies. Là, j'en ai vu un. Enfin, plutôt, j'en ai déjà tué deux avant qu'on. J'ai une voiture avec un phare. Si jamais on veut partir. Ouais. Est-ce que le phare appartient à on ? Ah, la bonne blague! Pour commencer sur une bonne base, tu vois. Voilà, histoire de remettre tout de suite l'humour belge dans la boucle, quoi. On appelle ça la blague tabula rasa, tu vois. Après ça, tu peux faire ce que tu veux. Je t'ai mis 3 bûches par terre dans la continuité du mur qui était dans le coffre d'une voiture, Katox. Est-ce qu'on va chercher des caisses supplémentaires? Parce que c'est un peu le bazar ici, là. Bah, moi, je serais assez pour une expédition caisse-livre, ouais. Moi je suis bien pour qu'on aille chercher des caisses pour que Slan continue de mettre les trucs à terre, ouais ça me va bien. Alors, caisse ou livre? Bah on peut faire les deux. C'est pas vraiment au même endroit. Fais pas ton rabat-joie. D'accord. Ouais, attends, ça fait à peine 5 minutes qu'on tourne, tu vas pas être chiant déjà? Bah tu sais quoi, c'est moi qui conduis. Je prends mon véhicule donc je m'en fous. Ok, moi je me casse. Slan virage au volant. Attention. Comment ça j'ai plus de phare sur ma bagnole? Ah non, ça va démarrer. Je suis avec vas-y, moi je. Normalement, t'as je des pas, feux moi. Sur celle-là, Slan. T'es vrai? Ouais, enfin un. Ah ouais! Ah putain, j'ai plus de phare moi sur ma bagnole, bordel! Oh là! Ah, y'a une voiture avec un phare allumé devant si tu veux, Damned. Ouais. Tu veux pas que j'aille chercher le phare pour qu'on en ait deux? Bah, non, mais moi je voudrais au moins un phare sur les deux, hein? Prends un phare, voilà, genre sur cette bagnole-là, là. Elle est pourrie celle-là. Les gars, on descend aux warehouse qui sont juste en dessous, hein? Ouais. Et alors? Non mais je vous le disais pour pas vous perdiez. Ah oui. Vous sortez du parking sur la gauche puis sur la droite et on y est. Mais de toute façon je suis dans la voiture avec toi. C'est qu'il y a deux tombes qui bloquent la mise en place de mur. Ah j'ai pas de tournevis, c'est vrai. Comment ça va? Je crois que c'est qu'il y a mis un mur là, à cause il y a un vieux mur, on peut plus passer, c'est très chiant. Il y a un zombie qui est en train de frapper à nos fenêtres. Ouais, dans une heure il fait jour de toute façon. Non mais dans une heure il fait jour, ça va faire. C'est quoi cette horde? Si t'es toujours autour de la maison Katox, il y a un zombie qui tape dehors, je pense qu'il est côté des tombes. C'est une horde qui se pointe là. Enfin si t'es par là, hein. Je sais pas si t'es par là Katox. Je dirais qu'il est de l'autre côté, au côté des tombes. Je pense hein. De qui nous? Non, un zombie. Non, à côté de Katox. Yappy. Merci. Bien joué le coup final. Ah, le petit double touffe là. Ouais, je le pousse comme ça. Il y en a un qui part vers toi, un vers moi. Qui c'est qui a cassé la vitre? J'ai enlevé le verre là. Non! Ah, t'avais déjà enlevé le verre? Ouais, j'ai enlevé le verre, t'inquiète. Je crois qu'il y avait un zombie dedans et il est sorti en fait. Bah, il va venir. Tiens, je vais boire. Bon, ouais, il arrive de l'autre côté, je l'ai vu dehors. Bah, j'ouvre. Ah, on a des planches dans la poubelle, bah parfait. On va les prendre. Des sacs poubelles, on a dit que c'était bien les sacs poubelles. Ouais. Bah, Katox aime les sacs poubelles. J'adore les sacs poubelles. Putain, c'était quoi cette espèce de roche de zombie là? Je crois qu'on a oublié la masse. S'il faut, je vous l'amène. Hein. Tu me dis jamais rien, moi. Laissez-moi juste le temps de mettre un phare et. Même si ça sert plus à rien, mais maintenant que j'y suis. Ouais, voilà, moi j'ai un phare. Ici, il y avait un générateur à récupérer. Qui était là. Ouais, c'est. Alors, les cartons, on prend pas. Je ramène quoi
Que une masse, c'est tout, pas de tournevis, pas de marteau. Une masse, ouais. Ok. Je peux pas le démonter, comment on fait? Prendre le générateur. Voilà, là, il y a plein de trucs ici. Alors, dans le quoi? Ah, on l'a dans les mains, d'accord, ok. Ouais, il est lourd le générateur, faut le déposer à côté de la voiture. Ouais, et il faudra que tu le portes sur toi, je crois, pour pendant le trajet. Tu viens pas à 14, toi? Non, parce que 14, ça va, hein. Il pèse 12. Ah, les briques, je te les avais mis de l'autre côté, par contre. Tu verras, il y en a 3 au sol, mais elles sont de l'autre merde, côté. Putain, il y a plein de zombies autour de la voiture, fais chier. Ah, j'arrive. Attendez, j'arrive. Non, c'est bon, j'ai pu les contourner. En marchant, ils me voient pas. Excellent. Enfin, ils me voient pas, si, je me vois, mais ils sont en train de me choper, c'est con. Donc, centre commercial. À droite, t'as dit. C'est surtout moi qui les vois pas, en fait. Je suis rentré dans le centre-ville, je suis allé trop loin là. Clairement. Est-ce qu'il est ouvert le coffre? Il est ouvert le coffre. Hop. Ah, vous on êtes peut sur pas mettre dans le coffre qui entre. Je sais plus où c'est. C'est chiant ça. Est-ce que je peux le mettre? Alors, pas sur le siège conducteur, à l'arrière. Par rapport au chantier, c'est où? Ah, bah c'est pas mal le chantier, mais c'est. C'est la rue un petit peu plus à l'est. Faut que je dépasse le chantier donc. Que ça fasse un peu moins de bruit. Ah putain, je rééquipe mon. Alors, autant mon véhicule est bien, autant quand il recule, il fait bip bip. Est-ce qu'on peut le désactiver ça? Est-ce qu'on peut démonter la voiture pour enlever ça? Ça, je peux pas te dire. Parce que ça attire les zombies quand je recule. Ah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ça craint ton histoire. Attention, attention, écartez-vous, ne restez pas derrière. Ça. S'il vous plaît, les zombies. Non, après, on va dire que je fais du mal aux zombies. La ligue des zombies va criser. Porter plainte. Et on avait déjà complètement vidé cette zone en fait, j'ai l'impression. Non, je viens d'enlever 3 caisses déjà. Ah ouais, on est venu chercher des caisses et il en restait. Putain, je vois vraiment pas. Là où je suis, là. Et puis de toute façon, avec la masse, on va pouvoir ouvrir tout ce qu'on n'a pas ouvert. Ah, attendez, parce que je sais je tourne en rond, je sais plus du tout où c'est. Mm-hmm. Des caisses, pas des cartons. Hein. Je suis. Ah, attendez, ce serait bien ça. Ouais. C'est pas le giga. Non, c'est pas le gigamart. Non, c'est pas le gigamart. Oh non, pas du tout. Non, non, mais on est à la sortie de la ville. Hein. Ouais, alors peut-être, mais. La sortie est de la ville. La sortie est. Sortie sud-est, hein, oui. Sud-est, ok, d'accord. Donc c'est bon. Ok, d'accord. Faut que je redescende. Voilà. Faut que je roule un peu plus que ça. Et la peinture, il y a des trucs dedans. Fou. Oh, une pelle. Qui c'est qui va être content encore? Ça tombe bien parce que je crois qu'on a quelques trucs à enterrer. Ouais. Encore des pelles. Encore. Encore des pelles. Faut pas dépasser la voie ferrée pour autant. Non, jamais. Il y a des trucs dedans, putain, je l'ai vidé. Putain, mais. Non, mais il me faut un marteau, putain, quel con, j'ai pas de marteau. Viens, j'arrive, t'es où? Je suis juste à côté de toi, tu viens de passer à côté de moi là. Ok, marteau, il te faut? Ouais, c'était ça. Ça, c'est tournevis, c'est attention, tournevis. Marteau, il y en a deux. Ouais, bah je vais abandonner parce que je ne trouve pas. Vous en faites pas, je viens vous chercher. Attends, parce qu'il nous la faut la masse, donc j'arrive. Je vais laisser. Je vais démonter de la caisse en attendant. Ouais. Alors, est-ce que tu peux me dire où tu es? Je viens de passer le parking du centre commercial qui est juste à côté de chez nous et j'ai tourné à droite. Et tout à gauche. Suite après à gauche. Non, oui, à gauche et tout de suite après à droite. Ok, à gauche, tout de suite après à droite, donc je suis vraiment pas loin alors. Et là, je passe le long du chantier là, je crois. Très bien, et tu continues tout droit. Voilà, ok, c'est bon. Pas. Ah ouais, je t'ai pas descendu jusqu'à là. Ah. Ok. T'es pas revenu au Stugis? J'ai vu une voiture passer. Pourquoi ça bug? J'étais pas. Connerie, j'étais pas loin, mais j'étais pas là. Ah, mais c'est déjà j'étais sur le parking. Ah, ça, moi j'ai revu. Voiture passer, je me suis demandé quoi. Ah, j'ai vu la voiture dehors fugitivement. Putain, j'ai des bugs là. Tu l'as encore entendu s'arrêter? J'ai entendu. Ouais, ouais, non, mais comme un con, j'ai. Ah, déjà, je suis sorti sans arrêter le moteur, première erreur. Ouais. Ça, tu veux nous ouvrir les murs? Ouvrir les murs. Ah bah ouais, attends parce que je t'avais posé la masse par terre, mais je vais la reprendre, hein. Ouais, ouais, je te l'ai laissé. D'accord. C'est bien aimable. Bah c'est toi qui aimes bien taper, donc bon. Ça c'est vrai. Après tu vas dire, ils nous valent notre travail. Ouais. Voilà. En plus j'ai regardé South Park, je suis dans le thème là. Ce soir. Je vais la prendre sur moi, le mec. Who are you, my friend? Ah non, ça va. C'est m'a fait peur. T'as cru que c'était un zombie avec une masse? Bah oui. Il y a des coureurs, hein, tu sais. Allez, viens là. Faut péter un mur. Ah, ça me va. Hein. Voilà, toi, casser le mur là. Merci. Attention aux zombies. Non, mais non, pas zombies.
C'est pas zombie, c'est le signe. Ah merde. Ah non, mais c'est vrai, il faut pas. Il faut faire détruire. Encore le signe. Moi, je tape sur des caisses, venez pas m'emmerder. Ça suffit un peu. T'es bon, t'as fait le trou? Ça a l'air, hein. Tu peux aller ouvrir les. Waouh, c'est la caverne d'Ali Baba ici. Chalumeau, masque de soudeur, plein de chalumeaux à propagne, y'en a plein. Bon bah moi je suis blindé, je vais aller poser quelques trucs. Alors, ouais, sortie, je peux t'en prendre un peu des chalumeaux masse de soudeur. De toute façon, faut prendre quasiment tout ce qui est ici. Ah bah y'a une, une sympathique voiture devant là. Ah. Wow. Arrosoir, ferraille électronique, excellent. Oh, de la peinture violette, trop bien. Ferraille, petit pack de métal. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Journal, sous-vêtements. Je suis un peu surchargé. Il y a encore un générateur en plus. Oui. Est-ce qu'on en a mis un dans la voiture de générateur ou pas encore? Oui, il y en a un dans la voiture rouge, ouais. Excellent, en fait, faudrait commencer à charger la voiture de Dame Ned. Je suis en train, laissez-moi 2 secondes. Oh, c'est lourd ça! Je le prends le générateur, hein. Je vais le mettre. Non, ah ouais, remarque si tu veux, mais on en a déjà un. Bah, un. Ah oui, ok. Ça peut pas tomber en panne? Ça devrait pas. Bon. Tu peux pas le mettre dans le coffre, j'ai pas pu le mettre dans le coffre, je sais pas pourquoi, je vais le mettre sur le siège. Attention, attention, le signe! Il est pas mort? Oh, il va bien. Plus tard. Il va encore prétendre qu'il a pas été mordu. Bah ouais, je suis jamais mordu moi. Et c'est pas de ma faute, vous me sauvez pas. Je suis en train de tant bien que mal vider. Moi je risquais pas, comment j'étais lourd, je pense que j'aurais visé à côté. Hein. J'imagine bien, c'est pas ma faute, c'est les zombies, ils ont des dents. Les mecs, ouais, quoi, putain. Vous avez mis des zombies avec des dents dans le jeu, quoi. Ah, il me semblait bien qu'il fallait un marteau pour démonter les caisses, t'as dit qu'il fallait pas de marteau. Ah bon? Bah oui, pour les il grosses. Il semblait au contraire en avoir donné un. Oui, tu m'en as donné un, moi, mais. Bah oui, mais j'ai demandé s'il fallait que je prenne quelque chose et. Voilà. Bah oui, t'as la masse, tu te rends compte de tout ce que tu dois aller ouvrir? Ah, y'en a beaucoup des trucs comme ça? Ah, bah, y a tous les box là à côté de ce bâtiment là. Y'a un autre bâtiment en extérieur avec tous les box à ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, non, mais déjà dedans y en a plusieurs. Là, tout de suite à droite là. L'autre, enfin, quand tu prends. Tu vas aller, continue. Non, descends en bas. Descends. Et à droite là, tu vois, c'est ouvert dans le mur. On voit pas bien. Ah mais... ouais, y'a un trou dans le mur, effectivement. Mais je vais en faire d'autres ici là. Effectivement, il a raison, y'a trop des trucs. Hein. Y'a des chaussettes. Chaussettes. Ouais, alors, j'ai pas pris, j'avoue. Ah là aussi c'est démonté si tu veux aller si vous voulez aller vider. Alors qu'est-ce qu'il y a? Ah bah oui. Tu m'étonnes. Que des bonnes choses. Là aussi. Et la table en bois, on la prend? Elle a l'air d'une table de pique-nique. Ouais, pour la mettre dehors, ouais. Pourquoi j'ai une musique un peu rock qui se lance là? J'avais lu le livre de menuiserie, ouais, j'ai lu le livre de menuiserie. Ouais, pourtant on n'a pas ramené de jukebox encore dans la. Contient non. Des objets. Merde, je pensais avoir vidé. Tiens, une pelle. Des plaques voilà en métal. Tout ce qu'il y a ici, il y a des matelas. Ouais, on peut les prendre? Bah oui, tu peux tout prendre. C'est vrai. Casse-toi, toi. Il y a un canapé. Ça fait une musique super bizarre, quand même. Ouais, mais des fois, la musique se lance, tu te dis, merde, il se passe un truc et tout, et en fait, bah non, quoi, y a rien. Ça. C'est totalement le hype. Pinceau, celle-là, j'ai jamais eu, en plus. Je vais prendre un pinceau, tiens, le jour où on voudra peindre. Je vais poser plein de peintures par terre, partout, là. Oh là là, tout ce qu'il y a. Je suis un peu obligé de le... Putain, ils peuvent pas marcher sur les matelas, les mecs. Non, mais c'est pas grave, on va les démonter. Je détruis, oui. Non. C'est super rare. C'est pas possible. C'est vrai? Bah oui, t'en as vu beaucoup? Non. Mais est-ce que c'est vraiment utile? Non, c'est pourri, mais c'est pas grave. Si un jour ça. Un sac de plâtre. Si un jour ça sert à quelque chose. Un sac de plâtre, c'est utile, très utile. Si un jour ils font un patch et ça sert à quelque chose, hein. Tu sais jamais. Voilà, pour les matelas, mais pour le. Pour le sac de plâtre, ça sert déjà à quelque chose. Hein. Je vous préviens, je prends tous les vêtements que je trouve. Hein. Ah bah si tu veux. Ouais, non mais c'est pas plus mal. Hein. J'en ai marre de faire ma lessive. J'ai failli dire faire la lessive, mais en fait, je l'ai jamais fait. Allez, la caisse. Il y a un zombie qui vient de rentrer. Bonne chance à lui. Je vous le dis au cas où, vous avez pas une surprise.
Ah bah merde, j'ai ouvert là, mais ça donne sur le couloir. J'ai ouvert les couloirs. Mais de toute façon, c'est en extérieur, hein, les ouvertures que tu dois faire, quasiment toutes. Bah j'en ai fait là, mais en fait ça donne sur les couloirs. Ouais, mais est-ce que tu vois de quel bâtiment je te parle? Ouais, ouais, ils sont un peu plus à droite là-bas, ouais, je les vois. Au nord d'ici. C'est vrai. Par contre, il y a un truc. Seul mes vêtements. Il y a un truc qui est pas très très bien foutu, ou alors je sais pas, c'est comme il y a des toits au-dessus, t'es obligé de démonter le toit avant de pouvoir accéder à la porte. Et je comprends. Ouais, en fait, si je veux mettre le curseur devant la porte pour la détruire, je dois d'abord mettre le curseur sur l'avancée de toit. Non, pas vraiment, mais bon. Bah tiens, viens le faire, montre-moi. Ouais, viens, viens là. Parce que là, je comprends pas. Attends, je te mets ça au sol. Attends, déjà, moi, je vais aussi te mettre un truc au sol parce que je suis complètement plein de trucs que je peux plus porter. Ah, mais putain, sérieux. Ah, les mecs, on est mauvais, quoi. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Il y a un cadavre devant le coffre de la voiture de Damned, là. Ouais, il est en vie, en fait. Non, du coup, par défaut, quand on fait tout transférer, qu'on se met devant le coffre, ça transfère dans le cadavre. Du coup, le cadavre, il a des chalumeaux, des clous, de la ferraille. Ah oui, d'accord, merde. Et puis je me disais, c'est bizarre, pourquoi il est déjà plein, le coffre, je peux plus rien transférer. Je regarde, mais qu'est-ce qu'il faut avec des jupes, le coffre, là? Damned, une fois que t'as sélectionné, tu appuies sur la touche R. Ah ouais, d'accord, il y avait un truc particulier à faire. Voilà, te le laisse. Alors, vous êtes... Ouais, bah attends, je vais d'abord aller mettre tout ça dans le coffre, hein, parce que t'es un peu lourd. Je suis plein craqué. Ouais, légèrement. Où qui sont les messieurs? Ah, j'ai une jaquette. Et un magazine, tiens, je vais le lire avant que quelqu'un d'autre en profite. Alors, il y a une masse par terre, je dois pas être loin. Je vais trouver quelques-uns des magazines, si tu veux. Tu veux apprendre à t'en servir de la masse? C'est bon? Bah oui, tiens, je vais essayer, écoute. Tu la prends, clic droit, détruire et R pour choisir la zone où tu tapes. Il faut ouvrir tous ceux du bas là. Alors, équiper, je fais un clic droit, détruire. Et R pour choisir. Et oui, donc du coup, je vois que là, il a l'air de me choisir le toit, effectivement. Donc R comme ça. Ok. Non ! Oh merde ! Ouais, j'ai une petite blessure, mais j'étais à deux doigts de me faire mordre. Mais oui, rien du tout. Creuse une tombe de plus, Katox. Dans le doute, j'en fais 3. Oh. Qui a mis des objets sur mon siège? Je crois que c'est moi que j'ai mis des objets sur mon propre siège. Bon, je suis nul. Dit comme ça, c'est bizarre. Hein. Ouais, ça y est. J'ai trouvé un petit coin pour faire ça. C'est mon direct. Damned, tu fais quoi là à jouer avec la bonne femme? Tu vas danser avec elle longtemps? Non mais hein, ça va déjà? Sois un peu poli, que... s'il te plaît. Voilà. Tu sais que c'est malsain de jouer avec les zombies? Je sais, ouais. Il y en a qui ont essayé, ils se sont fait mordre. N'est-ce pas, les zombies? Mais moi, je ne joue jamais avec les zombies. Il s'est pas fait mordre. Voilà. Je suis spontanément tombé malade. Il a malencontreusement eu des crocs d'une espèce non identifiée plantés quelque part dans son corps. Au fait, vous savez ce que c'est l'insulation sur les vêtements? Oui. Comment ça te protège du froid? Tiens, et toi, tu vas jouer longtemps avec ce zombie qui t'a bouffé? Mais je croyais que tu me couvrais. Ah non, j'essaye de poser mes trucs depuis tout à l'heure. Bah en fait, il faut vider ton coffre des gros trucs. Tu t'es fait mordre, Slan? C'est ça? Bah oui, ça y est. Le signe en mode suspicieux, tu t'es fait mordre? Attention, j'ai un arrosoir, hein, ça déconne pas. Hein. J'hésiterai pas à m'en servir. Hein. T'entends un bruit de lame qui sort du fourreau. Non, mais c'est... Non, ça va, c'est une simple égratignure. Égratignure, tu dis? Une égratignure, est-ce que ça saigne? Dis-moi, cette égratignure. C'est drôle, ta égratignure, elle est en forme d'arc de cercle. Voilà, c'est bon, j'ai pu poser dans l'autre bagnole, et puis ça fait... On va pas se faire chier. Est-ce qu'il nous reste un peu de place ou pas? Parce que ça commence à se... Dans la voiture rouge, il reste de la place sur les sièges. J'ai pas regardé votre coffre s'il était plein. Bah, il reste plate. Moi, je cherche mon sac déjà, que j'avais passé à Damned et qui a disparu. Il y en a un que j'ai mis sur la banquette arrière. Et à toi. Oui, parce que faut faire attention à garder deux sièges fonctionnels. Non, on est juste à côté de la maison, hein. Je peux rentrer à pied, moi, y a pas de soucis. C'est-à-dire que si je rentre à pied, je transporterai pas 50 000 trucs, donc... J'ai plus ma hache, elle est cassée. C'est des choses qui arrivent. Et mon sac sinon? Bah. Il a mis sur la banquette. Il y
Il y en a un sur la banquette et un dans le coffre de ma voiture. Ah bah voilà. Ouais, bon, je vais reposer des trucs coffre, à la maison parce blindé que je suis bien à mort. Plein. Ok. Alors. Ma voiture, je peux plus rien mettre, j'ai plus rien, donc allez hop. C'est pas pour la distance qu'il y a. Il y a un sac de randonnée à l'arrière de notre voiture, effectivement. C'est le mien. Je le récupérerai quand vous rentrerez. Mais vous êtes obligé de prendre des pots de peinture. Ah, j'ai pas pris de pots de peinture, je crois pas, moi. Ouais, en même temps, je dis ça, mais il est dans le sac que j'avais sur le dos, donc c'est possible que... Que ce soit toi Non, c'est peu probable, mais comme mais c'est que mon sac à moi... Fais gaffe, il y a Sven juste derrière toi. Ouais, j'allais lui poser la question avant de reculer. Ouais, c'est bien de poser la question avant. Déjà, faut que je démarre. Faites gaffe, les bruits de moteur attirent des zombies, je les vois qui longent la grille. Ouais. Il faudrait que j'arrive à démarrer, quoi. Ça va aller. Est-ce que je peux reculer ou t'es toujours derrière? Je suis toujours derrière, donc tu peux pas reculer. Par contre, tu peux avancer. Non, tu peux pas avancer. Je suis derrière pour une bonne raison. Voilà. J'ai fait exprès, je m'en doutais. Boulet. Tu peux y aller, mon ami. Bon, je suis un petit peu mauvais à démonter des caisses, je crois. C'est vrai? Bah, tu vas t'améliorer, du coup. Oh là là, c'est la caverne d'Ali Baba, celui-ci. Ah bah, je les ai ouverts un peu en masse, mais je les ai pas fouillés encore. Hein. J'étais à klaxonner pour les attirer, mais regarde pas fait, la première en haut à gauche. Attends, j'entends un zombie là. Ça serait fourbe. Oh, ce serait dégueulasse. Attends, je te l'enlève. Bon, les gars, salut. Mep. Mep. Tiens, viens voir celle qui est là. Tu vas voir la première en haut à gauche. Quand t'arrives là-dedans, t'es ouf. Heureux quand même. Hein. Ouf. Bon, après, y'a peut-être de la merde partout, on sait pas. Y'a des baguettes de soudure. Ah ouais. Ah, t'as pris le palette jacket sur mes sous devant moi. Bah, de toute façon, je. Je suis de l'autre côté, de fait. Je prends rien pour moi. Hein. Oui, je sais. Tu es quelqu'un qui aide à la communauté. Sauf certains trucs que je garde pour moi. Ouais, mais ça, on le sait que tu gardes des trucs pour toi. Hein. Jerrycan d'essence vide, c'est peut-être pas la peine d'en avoir 600 000 non plus. Notamment, j'enlève tous les couteaux. Trop dangereux maintenant. Les couteaux en société, ça marche pas. Ouais, non, c'est pas terrible. On peut même pas attendre ces caisses à la fin là. Mais y'en a qui ont essayé. Faut démonter la table. Non, bah non, on enlève les caisses justement. Bah, je vais aller enlever les caisses là-bas, je suis en train de les enlever. Vas-y, je t'en prie. Par contre, je crois qu'on commence à être plein. Hein. Les sièges sont pleins, on a un petit peu. Ouais, bah moi je vais y aller surchargé de toute façon. Et dans ce cas-là, tu rentres pas à pied quoi. Non, dans ce cas-là, je rentre pas à pied. Prendre jolie table sombre. Mais c'est vrai que de plus en plus t'as envie de prendre des meubles en fait. Ah mais on a un nombre de places limité, on va dire. Une bouilloire. Alors il reste des trucs là dedans. Peinture blanche. Putain mais casse toi peinture blanche. What? Ah, bravo. Faut qu'on y aille. Le signe. J'arrive. T'as entendu le coup de feu? J'ai entendu le coup de feu, ouais. Je tu cours prends jusqu'à les la dernières voiture. Babioles. Hop là. Bon, c'est bon, je peux encore courir en plus, moi c'est bien. Ça arrive. Damnet, tu me dis quand t'en peux plus. Deux. De repousser des zombies. Pour l'instant, je me repose. Bah ça va, mais y'en a qui sont en train de péter les barrières qu'a fait Slan en fait. Ouais, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, c'est que les affaires, on s'en fout. Donc c'est pas bon. Okay. Vas-y, c'est bon. Bon, allez, arrive. Ça me reposera de dégoûter. Putain, j'ai cru qu'elle avait pas démarré. Mais sinon ça va, hein, je vais bien. On est bien chargé, ceci dit. Ouais, bah là le coffre est blindé, les deux sièges arrière sont blindés, moi je suis quasiment plein. Bah moi pas trop, mais bon, fallait y aller là avec le coup de feu. Ah merde, je suis tombé, c'est vrai. Ah, j'ai juste oublié ce détail, n'est-ce pas? Oh, un zombie vivant par terre. Ouais, c'est ça. Attention, on va tourner du chemin. Oula, y'a des boum boum boum. Tout c'est dans les cadavres partout quoi. Bah, il faudrait que je les enterre, mais t'imagines la quantité de tombes qu'il faut. Ah oui, non, mais j'imagine très bien. En fait, on pourrait si on s'y mettait tous. Hein. Ouais, ça ne sert à rien tant qu'on n'a pas fermé la zone. Ouais, voilà. Ça, c'est un épisode entier déjà à tout nettoyer, c'est bon quoi. Dans l'épisode précédent, nous avons enterré les cadavres. Ah, dans l'épisode êtes... précédent du précédent. Vous auriez bien ramené un peu de monde, vous les gars? Il y
Et le pire, c'est qu'il faudrait les tuer dehors, en vrai. Mais bon. Oh, faut encore ramener du boulot. Du travail, encore du travail. Bah oui, déjà que je me fais la muraille. Oh bah t'inquiète pas, hein, moi ils m'ont bien ramené de quoi faire aussi, j'imagine, parce que ils sont une dizaine là dehors. Le rangement va être encore propre. Oh ça va, tu veux que je mette tout par terre, non? Alors calme-toi. Hein. Ouais bah justement, c'est ce qui va pas tarder d'arriver, je sens. T'as un zombie qui tape sur le mur, deux murs plus loin, il y a moi qui construit le mur. Tu tapes même pas sur les zombies. J'aurais cru que plus loin il y avait toi qui tapais sur les zombies quoi. Mais je suis à bout de force donc bon voilà. Où sont les plaques de métal d'Amned? Normalement sur l'étagère s'il en reste encore parce qu'il y en a pas mal qui avaient été pris. Sur l'étagère. Ouais l'étagère. C'est ça l'étagère, à droite là où je suis. Ah là où t'es. Ah, okay, l'étagère et pourtant l'étataxe. Bon bah voilà, on a pas mal de trucs là du coup. Ah ouais, pas mal. Je t'ai quand même entendu la refaire à voix basse pour... ouais non c'est mais... Ça, Ah bah il fallait hein, parce que c'est pas passé du premier coup hein. Oh ça va, j'en ai plein d'autres comme ça si tu veux. Oh bah je sais, je te connais un peu quand même maintenant. Est-ce que tu veux tes baguettes de soudure quelque part, Slan? Bah a priori ça ira dans l'atelier si un jour on va le fermer. J'ai bien une idée de l'endroit mais bon. Oh mais damned. Y'a des viewers en bas âge ici. Non, sérieux, on va se faire striker, c'est pas possible de parler comme ça. Striker. Oh. Oh là 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 là. Bon, j'ai une pelle si jamais. Ah bah. Un jour. Mais un jour. Pas aujourd'hui. Bon, faut qu'on vide des coffres, c'est ça l'idée. Bah, faudrait mettre des caisses en plus, surtout, parce que ça commence à... Bah, j'ai réussi à en démonter une seule, moi, donc bon... Moi, j'en ai fait zéro, stop, alors... Stop, arrête-toi, toi. Mets des trucs dans le sac, espèce de débile. Ah ouais. Tu parles comme ça de Slan, toi? Non. Non, je parle comme ça de mon perso. Non. Est-ce que vous avez de quoi faire une porte, là, des charnières, tout ça? Y'a moyen, y a j'ai de quoi faire ça. Tu veux quoi, une porte? Ouais, faudrait faire une porte. Non. Allez, transfère-moi des trucs. Moi, je voudrais une caisse à l'étage pour les vêtements et qu'on dégage la poubelle toute pourrie là, qu'on peut rien mettre dedans en plus. J'ai un carton, c'est pas une caisse, mais j'ai un carton que j'ai ramené par erreur si tu le veux. Ouais, mais on a des. Plan. C'est ça, combien moi, un j'ai transport ramené un carton? Une caisse, mais je sais pas où elle est donc. Il y en avait dans les voitures, mais. Des caisses, j'en avais mis pas mal hein. Porte, tac, porte en bois. Il faut des planches, 4 planches, ok. Ouais, bah, du coup, les trucs cassés, on va les dégager, ça sert à rien de les garder. Hein. Ah, je suis mouillé! Merde! Plus à cette planche en fait. J'en ai quelques-unes sur moi là. Les planches, il faut aller couper des bûches et puis voilà. Hein. Est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais te mettre des planches? Non, c'est tout vide donc je les mets au pif. Ouais, vous les mettez dans l'atelier, les planches par terre? Parce que moi je veux qu'on soit des murs là. Alors j'ai des sacs, mais du sac lambda, pas du sac poubelle donc. Ouais, je crois que ça sert à... Ah si, les sacs normaux, ça c'est très utile. Pour transporter du gravier, tout ça. Faut que je mange, faut que je boive, faut que je fume. Normalement, y a plus ou moins ce qu'il faut à manger déjà. Ah, je vais prendre une petite pile d'antidépresseurs aussi, puis des bêta bloquants. Alors la masse, ici... Puis lui, ça fait toujours du bien. Il y a toujours un deuxième générateur dans la voiture rouge qu'il faudrait sortir. Ouais. La porte, je suppose que c'est pour ton atelier là. Ouais. Du coup, faut que. Ah bah, c'est toi qui as la hache d'Amned? Bah, j'ai une hache, oui, en l'occurrence. La hache, je sais pas, mais une hache, oui. Et ma hache! Hop, de la ferraille. Oui. Et ma hache! Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Y'a rien dans cette voiture? Une barre métallique, mettons ça là. Ah, y'a un générateur. Métallique. Eh bah, non, ça allait pas là! Eh ben, je suis bien triste. Ouais, bah, moi, et moi donc? Il me faut des clous. Là, il y a des planches. Putain, je l'ai mis par terre, je crois. Hop. Ah, il y a 5 caisses là. Dans la bagnole. Le mec, il est à bout de souffle, qu'est-ce qu'il fait? Il se green club. Bah, oui, c'est pareil, j'ai eu le même réflexe, mais j'avais plus mon briquet. Normal quoi. C'est quoi par terre ça? Des vêtements sales. Bon, est-ce qu'on est sûr qu'en multi, se reposer sur un siège ou un lit, c'est efficace? Bah, j'ai essayé, au bout d'un moment t'es plus essoufflé, mais est-ce que c'est à cause du temps ou pas, je sais vraiment pas dire. Ouais, c'est dur à dire.
J'ai essayé les chaises, les sièges de camping dehors, le lit, j'ai pas vu de différence flagrante, honnêtement. Alors les cigarettes, ça va là-bas, les sacs, t'as un endroit où tu voudrais que je mette ça, Damien? Oh, les sacs? bah c'est sur les étagères, là normalement. Il y a un truc là, il y a des sacs. Il y a encore de la place. Au pire, les draps, je les virerai après, je les mettrai ailleurs. Non, mais c'est des petits sacs, vraiment juste sacs, donc ça va. Ah, super la porte. Bah, je vais en faire un autre 4 de porte. Est-ce qu'on a des bûches quelque part que je pourrais débiter pour faire des... J'ai l'impression qu'on est un petit pas. Peu en déj de bûches et compagnie. Ouais, est-ce qu'il reste des trucs à bouffer? Les caisses, elles ont été sorties ou pas? Ouais, il y a une super salade là. Oui, non. On a plein de bouquins dehors, c'est fait exprès. Des bouquins? On a ouais, plein de bouquins dehors dans la nature. Bouquins... S'il y a des bouquins dehors, dans la forêt, c'est que je les ai balancés parce qu'on les a en double. D'accord, ouais. Ça marche. Je préfère te le dire. Je vais essayer de trouver une hache, mais j'ai l'impression que tout le monde a... Ah non. Pourquoi vous les... Pourquoi vous les réparez pas, les haches? Parce que c'est la mienne. C'est ma hache. Il y en a beaucoup d'autres comme ça, mais celle-là, c'est la mienne. Celle-là, c'est la mienne. Celle qui est cassée, c'est la mienne. Elle est à moi. Elle est cassée. C'est moi qui l'ai cassée avec amour. De par Dieu. Ouais, je disais, elles sont où les caisses du coup? Dans ta bagnole. Dans la mienne? Ah oui. Ah oui, il y a 5 caisses effectivement. Ah mais il reste pas mal de trucs dans le coffre aussi, ouais, d'accord. Par contre, j'aimerais bien en garder 2 au moins pour mettre au-dessus de celles que j'ai. Eh ben moi je t'en prends 2. Il en reste 2. J'en ai sorti 3 déjà. Alors comment ça marche? Déballer, faut me faire comment? Je déballe. Normalement non, sur le côté, il faut que tu mettes l'icône qui est tout en bas en haut à gauche. Stop, et t'as un stop, bouton arrête. Placé. En dessous du cœur, t'as le marteau et en dessous du marteau, t'as un meuble. Tu fais placer. Attends, il y a un putain de zombie qui s'approche. Putain, ça prend du temps de récupérer. Il attaque le petit truc en métal de Teslan. Ah bah non, j'ai pas pris les caisses sur moi. Beaucoup trop. Le mec, il est essoufflé. Il prend une journée pour se remettre. Par contre, il prend royalement 2 secondes pour vous faire un plat pour 5 personnes. Ah bah. Il me faut un marteau pour placer les caisses aussi, c'est la tristesse. Ouais. J'avais un marteau. Ah ouais, donc je vais peut-être potentiellement mettre ça au sol. Hein. Moi je suis en train. J'ai été découper quelques arbres en bas. Ah non! Non, pourquoi j'ai fait ça? Je mettrai tout mon cœur. Ah, et puis les arbres, c'est un peu long à replanter pour le coup. Un peu long, hein? À replanter. Non, le truc c'est. Ouais, c'est un peu long à replanter. Ouais. Mais sinon, oui, tu peux faire clic droit, placer l'objet aussi, c'est vrai que ça marche, j'avais pas fait. Mais du coup, il faut qu'il soit déballé quand même. D'accord. Je suis venu avec mon sac marin qui a plein d'objets, et du coup, je peux rien transporter. Et quand est-ce qu'on va trouver un fichu grand sac de randonnée? Ou plusieurs même. On en a des sacs de randonnée, non déjà. Des grands, ah, des grands sacs. Des grands sacs de randonnée, moi j'en ai pas. Ah, ça je connais pas. Ah, je sais pas si on en a. C'est vrai. Katax, il en a. Mais Katax, toi, t'es pas youtubeur, donc vas-y, tu files les objets maintenant, ça y en a marre. Hein. Ouais, c'est les youtubeurs d'abord. En plus, t'es méchant avec moi. La preuve. Voilà, la preuve. Alors, je t'ai mis une caisse derrière les caisses, c'était peut-être pas judicieux en fait. Le numéro que vous avez composé n'est plus attribué. Bon, bah, bonne nouvelle. Je fais des murs en bois de niveau 2 maintenant. C'est-à-dire qu'il faut rechanger tous les murs en bois. Si, je peux les améliorer, ça coûte plus de clous mais que de les faire direct, mais je peux améliorer ceux que j'ai déjà fait. Je te la mets où ta dernière caisse, Slan? Ouais, les clous, on a ce qu'il faut, hein. Mais caisse, les unes par-dessus les autres, les trois. Les trois par-dessus les unes par-dessus les autres? D'accord. On va faire des murs de caisse. Alors, vous ferez comme si vous avez pas vu que j'en avais une et que je l'ai cassée. Hein. Enfin, je l'ai mal placé, du coup j'ai voulu la démonter, du coup je l'ai cassé. Mais non, mais putain, je mais c'est plus reposé. Cet angle de vue là. Elle est pas dessus la caisse là. Il faut un masque de soudeur. Non, elle est pas dessus, non. Et démonter, bah, c'est pas grave. Du coup, je te laisse la démonter si tu veux parce que je suis trop mauvais. Je sais pas du c'est pas tout grave, comment. Pourtant, j'étais sûr d'avoir fait attention cette fois, mais j'ai du mal avec l'angle de vue, j'ai l'impression. Voilà, y a pas besoin de viser, il faut viser celle qui est là, ici, en dessous. Tu vis celle du bas. Ah, c'est ça mon erreur. J'essaie de me mettre plus ou moins au-dessus, donc ouais. Je vais te la mettre dans le meuble là. Je vais te la mettre dans le meuble. Je te mets tu la lui caisse mets bien ce que tu veux où tu veux. Hein. Je te mets la caisse dans la trousse de toilette. Voilà.
et tu vises le bas, la caisse du bas. La trousse de toilette. Non, non, là, dans le... Oui, j'ai vu. Alors, du coup, je la place et je vise celle du bas. D'accord, subtil. T'as les conversations, si c'est... Ok, j'ai lâché une caisse, c'est bon. Ouais, à ne pas mettre en contexte, hein, putain, c'est violent. Encore meilleur. Oh non, Katox. Je savais que ça te plairait, Katox. Oh là 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 là, mais il faut le striker, lui. On va lui couper le micro. Que quelqu'un lui arrache son micro. Par contre, il me semblait que j'avais un des bois. Comment ça se fait que je suis mouillé? C'est un scandale, là. Mais ça t'es mouillé, mais tu vas pas tomber malade. Je t'explique, quand t'es homme des bois, de plein air, ça empêche pas la pluie de te tomber dessus, hein. C'est un scandale. Moi, je croyais que j'allais être étanche. Et ça empêche perle, pas que t'es mouillé quand même, hein. On m'a menti. Ouais, moi, j'avoue qu'elle pourrait perler sur nous, quand même, hein. Non, mais c'est vrai que... On s'attend tellement sur les autres jeux et que ce soit des trucs comme ça, tu vois, non, mais non, lui, il est pas mouillé parce qu'il est homme des bois, quoi. Allez, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous aura plu, cette petite session. N'hésitez pas à laisser un petit message, un petit j'aime, aller voir le point de vue de Slan ou aller voir le mien, selon là où vous avez vu le premier. Et du coup, on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut. À plus.